نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، من فريق من سير toujours, on pourrait commencer sa explication-là pour toujours faire rappel faveur Allah qui l'a nous jusqu'à ce terrain. Moi, depuis la dernière session, je me suis dit faveur Allah l'a nous qui nous encore vivants pour nous faire Hajj. Alors, après deux semaines, il y a beaucoup de monde qui quitte dunya une année. Après deux semaines, il y a beaucoup de monde qui finit quitte dunya une année. Alors, nous encore vivons ces faveurs Allah. Reconnaître sa faveur Allah est très important parce que reconnaître faveur Allah, il pousse nous pour nous humilier nous devant Allah, il pousse nous pour nous remercier Allah, et moi j'ai déjà expliqué, il pousse nous pour nous vivre dans limite Allah. Cher Zoubet, quand il cause la sainte madame, la sainte missier, dans l'attente madame, l'attente missier, quand il cause à la toilette, dans l'attente Mina, nous obliger à respecter ma limite, parce que ça ma limite là, c'est pas ma limite qui nous décide pour nous ou bien pour l'Arabie Saoudite, c'est ma limite qui est Allah qui nous mettait ça. Ah, c'est nous quand nous pouvons faire Hajj, comment je te connais, récompense Hajj, Rasoul Sazam il dit, ça je te dis, fini qu'on pas qu'il y a, moi j'expecte que tout mon frère, tout mon soeur, fini qu'on pas qu'il y a, qui man Hajj, falam yarfouth, falam yafsouk, raja'a min dhunoubihi, kayomi waladethu ummu. Ce hadith-là de Bukhari, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam dit que c'est lui qui fait Hajj. Après, ensuite, il retourne comme si un nouveau-né, ce hadith-là. Non. Et c'est une petite chose qui m'a plus envie. Si nous comprenons ça, plus important aujourd'hui, ben laissons après là, nous ne pouvons pas expliquer tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans hadith Hajj, et dans ayat Coran Hajj, Allah peut dire c'est lui qui fait Hajj et il n'y pas fait péché dans Hajj, il retourne comme un nouveau-né. Vous pensez là, tout ça, 215 ou bien 220 ou bien 200 Hajj qui peut aller, les bizarres c'était là, mettre ça sur la tête là, de ce front devant, qui c'est lui qui fait Hajj et il n'y pas fait péché dans Hajj. Là, il retourne comme un nouveau-né et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam aussi dit Al-Hajjul Mabrouru, laisse lahu jaza'u illa al-Jannah. Un Hajj qui n'a accepté, il n'a aucune récompense, excepté Jannah. Et pour ce Hajj-là accepté, il faut dire que ce Hajj-là n'a pas péché. À ce péché-là, il a tout été péché. Alors ça, c'est pour ça qu'il va un frère, tout le temps, il reste faire rappel, djilbab, couvert, et moi, je explique comment moi, je explique concernant la préparation Hajj, qui pour une madame, il n'a pas ihram. Une madame sur ihram, c'est l'ins qui est obligé de mettre. Quand il vient de Maurice, quand il reste de Maurice, quand il peut sortir pour aller en dehors sur la maison, il y a une linge qui est obligé de mettre dans le Hajj, c'est une linge qui est obligé de mettre. Vous pensez ça clair? Pour nous laisser aujourd'hui, toujours, il y a un fawaïd, un bénéfice dans le Hajj. Premier bénéfice dans le Hajj, plus grand leçon dans le Hajj, c'est ça que je finis de dire, c'est lui qui fait Hajj et pas faire péché, il retourne comme nouveau-né. Moi, pour moi, c'est même quelque chose qui faisait reste en arabe, appelle ça devant mon lisier. Comme on peut me dire, Cheikh Souawan peut cause patience, Cheikh Zoubet peut cause principe, l'autre peut cause nous remercier Allah dans toute situation, l'autre peut cause faire éloge Allah dans difficulté et dans du bien aussi. Tout ça là, nous gardons ça devant nous, c'est que Hajj, il faudrait payer un péché pour Hajj l'accepter. Tant qu'à gagner pardon, à ce terrain, la Ndjimoun, quand on fait un Maghrib, Assar, il fait un taouba, tout ce péché pardonné. Il dépense 265 000 roupies pour gagner pardon dans l'Arabie. Puis à ce terrain, là, nous fait un taouba, tout le péché pardonné. Ça veut dire Hajj. Ce récompense, c'est Jannat. Ce récompense, c'est pardon Allah. Mais dans l'opération, dans sa procédure Hajj-là, il y a beaucoup de bénéfices qu'il nous pourra prendre. Et Allah, il choisit nous. Et il dit à nous, nous avons invité Allah, nous avons délégation Allah, wafdullah. Rasoul Sassam dit que Manjimoun qui a fait Hajj, c'est une délégation Allah. Et nous avons quelque chose que Allah voulait nous apprendre et nous vivre pour nous porter à ça quand nous retournons.
Ça va être quelque chose qui nous vient comprendre bien. Alors, ma leçon dans Hajj, c'est que Hajj, donne-moi pardon, Hajj, donne-moi Jannat, et Hajj, il y a beaucoup de leçons qui nous apprennent là-dedans, comme tu dis aussi, c'est une machine lavée, les dépenses qui ont été une salle qui ont été une salle, basée l'eau là qui pour mettre détergent, et pour choisir qualité de washing, qui pour washing, les dépenses de nous, et nous, nous, action et nous, iman. Tout bon ambiya in fait Hajj. Dans Ibn Ishaq, il dit que tout bon ambiya in fait Hajj. Qui fait? Parce que l'islam pas commence avec Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, l'islam commence avec Sana. Nous disons ici, avec Sana. Adam Alayhi Salam. Ensuite, il perfectionné sous prophétie de Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alors, un riwayat dans Ibn Ishaq, il dit tout bon ambiya in fait Hajj. Et Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, dans l'autre hadith, il dit comment dire, on peut trouver que le masjid de Khaif, 70 ben Ambiya dans l'état d'Ihram, et tout Moussa alayhi salam aussi devant moi dans l'état d'Ihram. Ça montre relativité que l'islam, l'Ipan commence avec Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ça c'est le deuxième point. Troisième point. Dans Surah An'am, Allah subhanahu wa ta'ala لجيك إن إبراهيم كان أمة قانتا لله كنت سابينا إبراهيم إبراهيم عليه السلام لتين أمة لتين جدا لمن إبراهيم عليه السلام right? إبراهيم عليه السلام dans sa آيات là allein donne l'ode رسول الله صلى الله عليه وسلم pour suivre إبراهيم. Écoute bien. Allah subhanahu wa thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Ensuite nous fin révèle au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui te suive millata Ibrahim. Clair? Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit qui wattabi'u millata Ibrahim hanifa. In the Lord ban musulman pour suivre millata Ibrahim. Qui était sa millata Ibrahim qui nous faisait suivre là? Et qui est dans sa millata Ibrahim là? Pour qu'Allah lui donne l'ordre, Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous imam, nous Rasoul, meilleur Rasoul, pour suivre millaté de, ça veut dire digne de Ibrahim alayhi salam. Est-ce que ça clair? Okay, okay. Parfait, non, oui. Je vous gagne de toute façon. Mon vie qui est frère, ben sûr, nous suit ça bien. Allah peut donner l'autre Rasoul pour suivre Millat Ibrahim, alayhi salam. Et nous gagnons l'autre pour suivre Millat Ibrahim, alayhi salam. Alors nous bisons comprendre qui était Millat Ibrahim, alayhi salam, pour nous suivre. Ibrahim, alayhi salam, nous donne un parmi ben événements de cela, c'est qui Allah donne Ibrahim alayhi salam avec son madame son enfant à l'âge d'infertilité. Ça veut dire Ibrahim, il vient très vieux et son madame il vient infertile. Ça c'est un scénario dans la vie d'Ibrahim alayhi salam. À ça quand nous êtes nous, qui relâche dans ça avec nous? Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans le surah Araf, il peut dire que quand on dit que pas peut gagner des enfants, je dis Allah donne nous enfants, quand on gagne des enfants, je t'ai levé un associé, un idole pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Un exemple, on va prendre des détails là. Deuxième scénario dans la vie d'Ibrahim alayhi salam, quand il finit avec sa petite bébé là, à l'âge d'infertilité, écoute bien, ma soeur et mon frère, Allah donne l'autre Ibrahim alayhi salam pour prendre son madame et ce petit bébé pour aller quitter côté. Aller quitter côté Kaaba. Et côté Kaaba, il n'y a ni population,
ni cultivation. Moi, je disais dire ça, essayez de réfléchir dans l'époque qui est dans la montagne partout, à l'aide de l'eau d'Ibrahim alayhi salam, après qu'il y a un petit bébé, vieux que ce madame il y a un enfant, après combien de bananes, à ce qu'il prend un enfant là, quitte là-bas. Écoute bien, là, nous avons le Hajj là, ça, l'exemple là, il est très important pour nous tous là, moi avec eux, pour nous comprendre ça, qu'Ibrahim alayhi salam donne l'eau, Allah donne l'eau, il prend son madame depuis Palestine, il y a le kitli côté Kaaba, il n'y a aucune cultivation, il n'y a aucune population. L'État qui dit là-bas, il dit avec un petit de l'eau, une goutte de l'eau. Madame là dit, il y a Ibrahim. Est-ce qu'il te peut quitter nous dans sa place là? Il n'y a ni cultivation, ni population. Et tu peux quitter nous, tu peux aller avec un peu de l'eau? Ibrahim pas répond. Madame là pose question deuxième fois. Ibrahim pas répond. Troisième fois, une petite chose, une clique dans la tête de sa madame là. Il dit, Ibrahim, Allahu amarak, est-ce que c'est Allah qui nous donne toi sa l'eau là? Astia Ibrahim répond. Il dit, Naam. Il dit, oui, c'est Allah qui me donne moi sa l'aude là pour prendre sa petit bébé là avec toi pour venir quitter côte Kaaba dans une place qui paye la cultivation population. Vous qui madame l'a dit? Il dit, Iden, l'ay yudayyoun Allah abada, ou comme il dit, Zami Allah, pas pour quitter nous si Allah nous donne sa l'aude là. Qui ça est avec nous, nous, dans le Hajj là? Je vais vous montrer ça là. Ensuite, quand Ibrahim il finit aller, il fait toi avec Allah subhanahu wa ta'ala. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة رب فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون جيت سعد دعاك إبراهيم فلا أولا من كت مبنزاف من كت مزافايك مبنام دين بلاس كيبين غير ذي زرع كيبين أو كان كولتيفاسيون فاجعل أفئدة من الناس في أن جروب جيبون دين غسلة أو زود بوزود جاي كومباي فسعد دعاك لين علي إبراهيم. Quand il fait doula et qui maintenant établit cela de sa place là, c'est-à-dire les autres musulmans, et qui Allah donne autres aussi à manger et à boire. Ça, c'est doula de Ibrahim alayhi salam. Quand Dieu l'a fini, finalement, qui pouvait faire, c'est la même qui sa maman là, Hajar, lui monte la colline de Safa pour lui guetter qui côté Kawagan, quelqu'un vient avec eux, vers eux, pour aider eux, ou bien de l'eau pour capable boire parce que petit bébé peut pleurer et de l'eau est fini. C'est nécessaire un petit guide de l'eau. Les la même qui les sortit le Safa, les galoupé y a le Marwa, y arrive le Marwa, les re-rode encore, les re-retourne le Safa. Ça veut dire mon pensée là sans mot d'un autre commentaire, je ne finis comment se comprend qui ça autour Kaaba là, l'histoire de la famille de Ibrahim alayhi salam et la sacrifice qui famille Ibrahim alayhi salam il fait. Allah subhanahu wa ta'ala il satisfait avec sa bonne sacrifice là, l'infer sa bonne ça va un événement là, vient un moyen de rappel pour Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait Hajj, vient pilier de l'islam, et dans Hajj, ça va une action qui fait nous rappel, sacrifice de Ibrahim alayhi wa sallam, ça aussi pilier de Hajj. Tiens, analyse ça. Mais il y a un coup là, on me dit, comme ça, vous allez prendre madame et vos enfants, vous allez quitter l'île ronde là-bas, il n'y a personne là-bas. C'est moi qui fais ça, madame là, il répond, il fait nous connaître dans Sahih Bukhari, qui fait l'inaccepter ça sans disputer, sans la guerre, c'est parce que c'est l'autre, Allah. C'est Allah sur l'autre. Mais quand Allah donne l'autre, c'est du bien. Quand Allah donne l'autre, c'est facilité. Quand Allah donne l'autre, c'est l'icône qui est bon pour nous, qui n'est pas bon pour nous. Quand Allah donne l'autre, jamais il n'est pas pour donner un fardeau qui nous pas capable de suivre. Est-ce qu'il nous capable, comment dire, formater nous la tête dans Hajj, il y en a beaucoup de tests, nous pas pour gagner un test qui en dit nos capacités. Cher Souhawan, il dit que ça peut gagner ce test différent. Nous pouvons gagner un test collectif en tant que groupe Al-Mizan, nous pouvons gagner un test collectif en tant que groupe mauricien, nous pouvons gagner un test collectif en tant qu'Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous prenons l'autre qui a été test qui est individuel, chaque personne pour gagner. Comment vous faites une facile pour vous autres? Je ne pas pour gagner un test qui est en Dieu aux autres capacités. Parce qu'Allah dit là, il y a Allahu, nefsen. Allah n'a pas donné un fardeau qui ne va pas sortir. Alors, ça, madame, là, il y a un exemple qui m'a fait, qui m'a fait, qui m'a fait. Mettre ça dans la tête, il y a l'autre Allah pour aller rester tout seul dans une place qui n'est pas personne. C'est parce que c'est l'autre Allah. Il y a une conviction qui est dans l'autre Allah et un succès dans la dunya et dans l'akhirah. Alors, bien sûr, et bien frère, si Astella reste à peu près 3 jours pour nous rendre dans l'avion, nous ne pouvons pas encore finir de faire Tawba contre nos péchés.
et nous pas prépare nous pour ça voyage spirituel un parcours qui nous peut faire pas faire hadj mais faire un parcours dans sa parcours il y a un événement et ce qui pousse avec nous dans cet événement là c'est numéro 1 faire istighfar tauba, numéro 2 faire beaucoup de route, numéro 3 faire beaucoup de dua et nous besoin quitte une action haram et nous faire une action qui faraz c'est qui appelle ça taqwa et c'est qui allah dit wa tazawwadu amen man saman avec zot man provision avec zot que ça t'a fait hadj mais fa inna khayra zadi meilleure provision de hadj c'est taqwa. Alors nous finis comprendre concernant zamzam comment il gagne zamzam c'est allah fait de l'eau zamzam apparaître dans le moment qui sa maman là ça veut dire hajar tu peux galoper entre safa avec marwa pour dire de l'eau, finalement Allah subhanahu wa ta'ala donne de l'eau. Et une autre chose, Allah a accepté le dua d'Ibrahim alayhi salam, un tribu qui peut travailler. C'est surtout beaucoup d'oiseaux, un oiseau qui apparaît seulement côté de l'eau. Quand il finit gain zamzam, ça veut dire gain zamzam, c'est un gain de l'eau. Sa tribu-là, tu peux voyager, un bédouin, un bédouin qui est nomade. Quand on trouve cet oiseau-là, on finit comprend qu'il y a de l'eau de sa place. Écoute bien ce qu'il m'a fait. Banane est un avoy pour guetter. Je ne finis qu'on est qu'il y a une madame avec Hazel et un petit bébé. Faire demander permission. Est-ce qu'il nous capable de rester là? L'une des autres permissions. Et maintenant, il commence à gagner population autour de Kaaba. Ça veut dire que Ibrahim a accepté. En même temps, il gagne de l'eau. En même temps, ça a de l'eau là, c'est Zamzam. Et deuxième, c'est qu'il y a une population qui commence à rester là-bas. Est-ce que ça clair? Bien bon. De l'eau Zamzam, on finit avec Zod. Astia Ibrahim alayhi salam, quand ce garçon il vient un petit peu jeune, Allah donne l'eau de cette fois-ci, parce qu'Ibrahim parle avec eux, Allah monte, remonte, reconstruit à Kaaba. Écoute ça, écoute sa façon qu'Allah présente ça. Ibrahim, c'est ce garçon, il est sorti de Palestine, il y a dans Makkah, il y a un Ismaïl qui grandit, il commence à être jeune, il dit Ismaïl, tu connais Allah, donne-moi l'eau pour me reconstruire à Kaaba. Je dis, mais papa, tu as besoin d'obéir à l'autre Allah. C'est-à-dire, garçon qui me dit, tu as besoin d'obéir à l'autre Allah. Garçon qui me dit, tu connais, Allah donne-moi l'autre pour dire à toi, tu as besoin d'aide-moi. Je dis, si Allah donne-moi l'autre, tu as besoin d'aide-toi, mais tu as besoin d'aide-toi. Et c'est là même qui, quand le bâtiment de Kaaba, il arrive à une hauteur, qui n'a pas gagné une hauteur pour mettre rose, c'est à ce moment-là qu'il va prendre un gros pierre, je le mets là, et il déboute l'eau là, ce garçon peut donner une rose pour reconstruire Kaaba, et c'est là qu'il gagne l'empreinte de Maqam Ibrahim, ce qu'on appelle Maqam Ibrahim, il y a l'empreinte pied Ibrahim, les pieds Ibrahim et ça, l'osaros là. Puis il y a un musulman, je t'ai fait tawaf autour, je t'ai fait jamarat, rose bat rose. C'est une couleur, je monte le rose, je fais un amas contre rose. Rose pas autour. Puis pas rose, pas rose. C'est la soumission devant Allah. La soumission devant Allah. Jamais nous pas fait tawaf, quand nous faisons tawaf, nous cause avec Kaaba, nous cause avec Allah. Jamais quand nous faisons tawaf, nous ban rite d'adoration, les converger vers sa rose qui appelle sa lakaz qui appelle Kaaba, les converger vers l'échelle de Allah subhanahu wa ta'ala, le seul échelle, le trône. Ça veut dire nous pas pareil comme les autres communautés. Ça c'est une réponse qui nous capable de répondre. Ban dimoun qui dit toi fait les tours roses de Kaaba et lui dit une réflexion, c'est que non, ça c'est pas les tours roses, c'est une direction qui a l'un de nous. Quand nous faisons ça, ibadat là, nous pas cause avec rose, nous pas adresse avec rose, nous pas demande l'aide avec rose, nous cause avec Allah. Et toute une parole qui m'a servi autour de Tawaf, c'est proclamation de l'unicité d'Allah qui nous expliquait qu'un jour de cela. Clair. Numéro 1. Numéro 2, comment faire? Salat contre Maqam Ibrahim. Dans Umrah, nous avons fait des rakat quand nous faisons Tawaf contre Maqam Ibrahim. Qui fait Maqam Ibrahim? Ça, c'est un signal depuis Allah, sacrifice qu'Ibrahim il fait, et ce garçon il fait, pour reconnaître l'autre Allah, pour reconstruire Kaaba, ça c'est un signe pour les juifs et les chrétiens aussi, qui ici c'est Ibrahim Solipié, Alphétès DNA, Alphétès qui est en vie, ça c'est signe qu'Ibrahim alayhi salam, est musulman, il est bâti Yahoud, il est bâti Nasara. Et c'est l'autre Allah qui nous soumet pour lui montrer sa Kaaba là. Et là-dedans, il y a une autre leçon aussi, des leçons, mon envie, mon frère, ma soeur comprend. Quand fait sa femme à Rouac, sans qu'il y galoupé, pour nous faire sa femme à Rouac, sans qu'il y galoupé au premier. C'est là. Maman de Ismaël, qui était Michel, madame. Et madame, quand nous faisons Rouac, sans qu'il y galoupé, Michel qui galoupé, mais madame qui galoupé. Michel, qui fait? Je pose question, qui fait?
parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous ça. Et nous suivons le sunnah de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Nous pas faire ce qu'il nous l'a dit, nous faire ce qu'il nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit. Ce principe-là, il y a un principe établi dans le hajj. Et ça c'est nos motto, nous nous groupons ce motto dans le hajj, c'est faire hajj quand nous rassoulons, il fait hajj. Et quand nous rassoulons, il dit un monsieur qui vient galoper en de la rivière, nous ne pas dire madame pour galoper parce qu'il là-bas hajjer qui galoper, nous pas servir nous la tête en face, en opposant l'enseignement de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ça clair? Ça veut dire pas ne faire ibadat, mauvais faire ibadat avec bonne intention, mais mauvais faire ibadat d'après ma façon, il va vous compter. Pas dire mon intention mon bail ou pas une faire six tawaf. Mon intention beaucoup de mon pas le refaire ouazou, mon pas le refaire tawaf ça jour là. Allah pour accepter lui. Non, Allah pas accepter. Mon peut dire franc. Faudrait lui faire avec l'intention pure, juste pour Allah et faudrait lui faire dans tariqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça c'est un exemple. Ici est Ibrahim alayhi salam quand il finit mon Kaaba il veut faire tawaf. Qui doit lui dire? Hein? Qu'il dit? Il dit Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibrahim, Khalilullah, ses camarades Allah. Ses camarades Allah, Khalilullah. Et Aziz des Khalil pour Allah subhanahu wa ta'ala. En Ibrahim, déjà Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Zot Khalilur Rahman, zot proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, zot camarade Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah ne prend zot comme camarade. Moi, quand je dis moi, je suis content Allah. Mais est-ce qu'Allah est content moi? Hein? Comment tu connais Allah content toi? Mais nous ne pouvons pas proclamer tous les jours pour faire une tasbih 100 fois. Allah content moi, Allah content moi, Allah content moi, Allah choisit moi, Allah choisit moi, Allah choisit moi, moi mon parti, Allah mon parti, Allah mon parti, Allah, moi mon la vérité. Fait tasbih non, Allah n'est pas compté. Faudrait qui? Faudrait Allah subhanahu wa ta'ala choisir moi. Faudrait Allah content moi. Faudrait Allah sur rahmat le moi. Et ça même quelque chose qu'Ibrahim il comprend. Et ce qui nous bizin comprend, après qu'il nous fait tout bon effort, c'est qu'il nous bizin soumettre devant Allah. Humilié devant Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Est-ce qu'il nous pas nous l'équipe pas pour faire mal qui moi mon a fait hajj ensemble d'un groupe l'état al côte Allah hajj 2023 allez tout bon l'équipe 2023 allez rentrer là nous donne résultat man hajj 2023 ou tout comment dire 50% passé 50% fait les bon. Ça veut dire, à partir maintenant, mais c'est fini de quitter la télévision, football, résultat, Benzema, puis rentrer dans l'Arabie, si pas Saint-Coulin, Messi pour venir pas de double contrat. Tout ça, ça fait c'est fini de quitter à côté. Là, je fais Tawba, je reste beaucoup dans l'ibadat, je reste beaucoup connecté avec Allah, et je dis, Allah, pardon pour mon manquement, parce que s'il y a un manquement dans mon hajj pas pour accepter. Mon peut dire, quelque chose de réalité qui, si nous pas prendre ça compte, ça casse nous les dépenser, ça sert qui ça hajj l'en vini. Mais il est là, il va vous servir moi. Bien bon. Alors Ibrahim alayhi salam, pourtant il y a un Nabi, il y a un Khalil, il y a un Rasoul. Ce garçon Nabi, ce garçon Nabi, l'île peut dire Allah, Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim, ou Allah accepte nos hajj, toi tu t'en tout et tu trouves tout. Right? Tout compte tout. Bien bon. Qu'est-ce que ça problème là, Ibrahim alayhi salam là? Man, c'est un écoute-moi, pas derrière là, ou ça finit distrait. Ça peut check portable toujours en même temps. Il ne faut pas nous check portable dans Tawaf, dans Safa Marwa, dans Arafat. Tout ça a bien fini de fermer portable. Dire famille, nous bien arrivons dans Arafat. Correct, nous pouvons nous dire quand nous finissons de faire Tawaf avec Safa Marwa les 10. N'est-ce que tu as un petit message, moi, je comprends. Parfait que moi, Habay peut faire un doigt, puis extraplorer le Safa. Ce téléphone, sonne, il zette ce doigt, il prend ce téléphone, il répond au téléphone. Après, il reprend ce doigt, il continue. Vous pensez, il est bon comme ça? Vous pensez qu'on peut faire Tawaf, on peut gagner un tracas, qu'il aime ou pas le causer le téléphone? Je pensais, dis-moi, comment on peut faire Safa Marwa. Nous rassoulons, il reste au Safa longtemps pour lui demander dua. Trois fois, il demande ça, dua. Moi, mon équipe est montée, tchou, montée, descend. Combien de minutes tu le prends? Moi, je prends 27 minutes. Et moi, peut-être, j'attends 22 minutes pour finir. Faire. Ça? Ça qui nous persiste, tout ça, nous persiste pour apprendre là, ça? Non. Je fais avec wakar, wakar, avec un respect. Je fais avec ta'zim, Allah Azzawajal. Célébrer l'honneur, grandir Allah. Je fais avec l'amour pour Allah. Je fais avec l'amour pour gagner l'amour Allah. Je fais avec l'amour pour Allah contre moi. Je fais avec l'amour pour Allah accepter en même temps avec la peur qui attention pour faire quelque chose qui n'est pas bon, Allah pas accepter mon hajj. Bien bon. Étant zéné, si un garçon vient zen à ce terre, Ibrahim revient zen. Comment est-ce nous l'époque? Eh pas, tu n'es pas nassé au moins? Comment est-ce nous l'époque réponse à ça? Eh pas, moi-même du coup?
Tu reviens en moi encore? Hé, bolum, qui parle toi? Quand on est dans l'Arabie, maintenant, quand je dis à notre papa, vieux, je dis Cheb. Cheb veut dire vieux, oh vieux. Maintenant, je dis Cheb, hé, Cheb est venu là, en arabe. À Saint-Maurice, maintenant qu'il est sorti de l'Arabie, il m'aurait traduit sa Cheb. Non, encore là, maintenant, je dis, hé, écoute, bolum, bolum, là, côté. Écoute-moi, mon bébé, écoute-moi. L'état sa zenne, mine zenne, cette fois-ci, après une finie mot de Kaaba, tout s'en coula, gen l'autre test, Ibrahim revient encore, sorti Palestine, il revient côté Kaaba, il dit Ismaïl. Tu connais qui n'a pas à Baba? Falamma balara ma'ousa, ya khala ya bunay, oh mon garçon, inni ara fil manami an azbahouk. Moi, j'ai une affaire. Fait comme je dis, moi, je dis, moi, je connais bien, ma naguib, hier soir, il m'a mis sur l'alcool avant de venir à 6h, c'était là. Un exemple. Je suis mon frère, je suis de la police ensemble. Alors, je suis hier soir, avant de venir les choses aujourd'hui, je lui ai dit un dernier coup de gros que je batte. Je lui ai dit, je batte les aujourd'hui. Après, la boîte, je vais finir net. C'est quand je suis sorti. Ou bien, c'est là, je dis, Jilbab, là. Quand je parle de Jilbab, de travail, je lui ai dit, qui n'arrive pas? Je même pas encore allé finir pour se mettre Jilbab. Je lui ai dit, non, ça ne fait pas comme ça. Écoute ça, événement là, c'est-à-dire. L'état Ibrahim, alayhi salam, il trouve dans ce veille, ça veut dire vision, un nabi livré. Après ça, ru'yatul anbiya haq. Un nabi, quand il trouve un rêve, c'est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il trouve qu'il a un rêve, l'un gagne l'autre pour faire zaba sa garçon-là. Je vais venir à dire, nous, on finit de faire une bonne nouvelle. Ni moi pour dire, je prends des enfants cet été, ni moi pour dire, je quitte des enfants, et ni moi pour dire, je fais ça, je vais vous dire tout ça. Moi pour dire, je vais chose très très facile. Je vais faire des djilbab, faire des salat, pas manger haram, pas boire haram, pas faire dîner aux personnes, faire ibadat. C'est moi tout, je vous dire. Ça, c'est ce qu'Ibrahim, je vais vous dire ça. Ça, c'est juste une leçon qui a l'un mettre dans le Hajj pour faire Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam réfléchir. Get sa qualité test qui va même gagner là, toi tu pas pour gagner sa qualité test là toi. Tu ban test li ban test facile. C'est moi le problème qui arrive de quoi. Là-bas Ibrahim de test difficile peut passer, sur madame peut passer, sur garçon peut passer, quand nous de test facile nous veut faire. Là là divine anxieux. Nous avons une anxieuse, nous avons un tracas. Coran et mon père fait hajj, pour vivre ça va le moment là, pour trouver ça devant moi, pour trouver ça jamarat là. Écoute bien qu'il avait des temps 5 ans, il revient quand ce garçon, il garçon, tu connais qu'il avait Yabounei. Quand tu as la part, tu vous demandes la terre là, tu vous demandes port. Qui ça fait, tu veux dire Yabounei encore? Qui n'est arrivé encore 5 ans? Là, l'autre coup, tu es venu, tu as dit, jamais, mon cabane, mon état correct, 5 ans, qui te l'est? Yabounei, inni ara fil manami, inni azbahouk, je me trouve dans un rêve qui m'a fait être zaba. Et garçon là, il y a une connaissance, il comprend qui, quand ce papa qui est un nabi, un rasoul, trouve dans un rêve une vision, sa vision là c'est un autre. Allah, l'infini comprend qu'il y a un autre pour faire l'Isaba. Qui se dit, allez, chacun prépare sa réponse, qui tu veux dire son papa? Y a un coup? Quand je prépare la réponse, Allah peut être zut, hein? Farista peut écrire toujours. Qui réponse? Nous tu peux préparer un autre Allah pareil. Qui réponse? Qui a été l'autre ça? Les amis qui peuvent dire, nous dans Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons plus de guide l'autre, nous n'avons plus de récompense. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الفجر سا سو raison qui ça ayet là descend ban sahaba dit ya rasoul allah ban communauté précédente tu peux vivre pas 800 bananes mais 800 bananes namaz maman vivre 60 ans c'est 60 ans namaz écoute ça écoute nous rob comment content nous en tant que ummat mohammed sallallahu alayhi wasallam ban sahaba be gain traka be saman ban sahaba de moussa de isa de ibrahim je ne vive pas dans longtemps nous allons vivre 900 bananes 1000 bananes 950 bananes be 950 ibadat bananes ibadat mais nous vivons juste 60 ans combien bananes ibadat de vous faire 60 les tabana dit ça rasoul allah ya rasoul allah mais comment nous pas faire face au qiyama allah subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi laylatil qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر أن لا نيت خير من ألف شهر لبلي ميكي ميل بناني ميل مو تو سفا في الله لا لا تو سفا في الله لا لتا الله سبحانه وتعالى يفو إبراهيم عليه السلام بجي سا غاسونا إني أرى في المنام أني أبو أمو غاسون أمو غاسون أمو غاتي أمو بيبي من تروفي كي دان غير مو بفتو زبا كي سا غاسونا ريبون Eh, papa, tu n'es d'où? Eh, bien, il y a un bonhomme là. Non, vous connaissez qui dit?
Il dit, ya abati, oh mon papa. Ya abati, oh mon papa. Mais pas dire, yep, écoutez là. Après, dans le hadith, il y a une difficulté. Oh mon papa, if alma tu'mar, fais l'autre qui a l'aide de toi. C'est te jidouni, incha'Allahu mina sabirin. Te boutou moi, oh Allah, qui m'a permis, man qui n'a patience. Man qui n'a patience. Ça, c'est réponse de Ismaïl ou bien Ishaq, d'après divergence, qui. Je ne donne notre papa, Ismaïl, il ne donne son papa, quand il dit, il ne va pas le faire de Zaba. Léa, même quand il sort, il ne va pas le faire de Zaba, il ne va pas le faire de Zaba, Shaitan vient de faire 60 en chemin. Là, nous finissons de comprendre qu'il fait nous faire Tawaf, Rus. Nous finissons de comprendre qu'il fait nous al-Kot Maqam Ibrahim, parce qu'il pourrait reconnaître sa soumission de Ibrahim envers l'autre Allah. Cette fois-ci, écoute, Jamarat, Batros en Rus. Il dit, mais c'est comprendre qui Allah ou l'est avec nous. Quand nous pouvons prendre Rose pour le Batros, est-ce qui logique là, c'est prendre Rose Batros? Est-ce qui logique là, c'est Shaitan pour assise là, il dit, vous venez battre nous? Venez battre moi? Un million, des millions de musulmans pour faire Umrah Hajj, pour faire Hajj, ça veut dire, pour venir battre Shaitan, coup de Rose, et Shaitan pour assise en place, il dit, battre moi. Un Shaitan qui se civit. Et il y a Adam al-Salam, il perdit. Moussa al-Salam, il perdit. Dans civit, on est activement de Iblis. Je connais Sivi qui veut dire, il y a une partie qui a achievement là-bas. Un top achievement de Iblis, c'est une porte victoire, c'est Adam de Jannat. Parmi les big achievement de Shaitan, de Iblis, une porte victoire, le Moussa, alayhi salam, fa wakazahu wa qadwa alayhi, qala innahu aduwu mudillu mubin, dans Surah Qasas, Allah peut montrer comment Ibrahim et Moussa, alayhi salam, l'in-être impulsé, Shaitan, il pousse lui pour lui révolter et lui donner un coup de poing, et il dit, je vous Moussa, alayhi salam. Mais nous, quand nous parlons de Jamarat Astir, c'est reconnaître toujours l'autre Allah qui est dans nous, dans l'islam, comparé avec le sacrifice d'Ibrahim a.s. Et Ibrahim a.s. quand il y a l'autre pour le Jamarat, ça veut dire que le Shaitan peut venir faire ouais, ça avec lui. Tu garçon ça, après combien de bananes tu as gagné, un joli garçon pareil, lui aussi tu peux venir un Nabi, tu peux voir tout lui. L'état Shaitan peut faire ouais, ça. Ibrahim a.s. il prend 7 cailloux, il pousse Iblis. Le premier place, c'est le premier Jamarat. Ensuite, les talibés continuent de traverser, arrivent au deuxième Jamarat. Ça même sur l'existence Jamarat, c'est 3 places contre Iblis, qui viennent pour attaquer Ibrahim a.s. pour lui désobéir l'autre Allah. Est-ce qu'il y a un monde qui a dit, il fait un statement? Quand nous parlons de Jamarat, qui ça veut dire pour eux, après qu'ils nous comprennent ça, un dit, vous dire, ce qui me comprend, ce qui vous peut expliquer, ça veut dire, quand on a le bas de Jamarat, veut dire ça, ça, ça. C'est là qu'on a fait un point coup. Si vous êtes un casse-même, vous êtes causé. Eh bien, un jour, personne ne parle de causé, je ne vais pas dire casse. Hein? Je fais un statement là pour eux. Ça veut dire ce qui me comprend. Vous pouvez dire ça pour eux, hein? Moi-même, vous êtes expliqué. Moi, je peux répondre à une question pour vous. C'est quand je peux battre Jamarat, c'est une action symbolique qui fait moi rappel, sacrifice de Ibrahim a.s. pour soumettre devant l'autre Allah pour faire Zaba ce garçon et pour que Shaitan ne vienne faire Waswa ça là-dedans. Alors quand moi, je peux battre Jamarat, je peux dire à Allah, oh Allah, aide-moi ici pareil, quand Allah donne l'autre. Et Rasoul, ça me donne l'autre, qui Shaitan qui fait Waswa ça, je peux craser sa nafs qui pour obéir à Iblis là. Clair? Et pour terminer, je vais dire encore, Man hajja, falam yarfuth, walam yafsuq, raja'a min dhunubihi ka yawmi waladathu ummu. Celui qui fait hajj, et il n'y a pas fait péché dans son hajj, là, il retourne comme si un nouveau-né. Et Rasoul Sassam dit, Al hajjul mabrouru, laysa lahu jaza'un illa al jannah, qui est un hajj qui n'accepte que Allah. Il n'y a aucune récompense, excepté Jannah. Et pour nous, action acceptée contre Allah. Bizaina, dès qu'il y a une chose principale, c'est faire action nazis pour Allah. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Et deuxième, c'est mutaba'atun nabiyyi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. C'est suivre sunnah de Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il y a? Après 10.
Oui, ok. Inch'Allah, je dresse assise en place. Je dresse assise en place à cause de nous porter un petit rafraîchissement. Mais bon, laisse-moi terminer avant. Alors, pour nous, action compter contre Allah, pour nous gagner sa hajj mabrour là, besoin de des affaires là-dedans. Numéro 1, zis pour Allah. Numéro 2, il y a besoin de tariqa, de façon de faire de nos rasouls. Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu que Rabbul Alamin y accepte nos bons efforts et lui donne nous un hajj qui est accepté et que Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite nous devant une épreuve de hajj. Mais pas qu'à dire, pas pour donner un hajj, tout que je vous passe, comme dire l'eau roulante, non. Nous avons une épreuve pour traverser, prendre et nous sortir la case. Et comme cher Zoubé, nous disons, ben, monsieur, il est bien important que vous finissiez mettre votre linge et l'ihram, vous ne pas rentrer dans l'état d'ihram. Nous ne pas dire rentrer dans l'état d'ihram, c'est l'omirat dans l'avion. Mais mettre linge là, vous avez une facilité parce que dans l'avion, vous avez une difficulté pour mettre linge et l'ihram. Et dans Dubaï, qui fait nous ne pas dire dans Dubaï, parce qu'il y a trop de tickets l'étang pour nous capables à laisser Bandimoun à mettre l'ihram dans Dubaï. C'est pour ça que l'instruction, c'est tout du monde. Fini mettre ce linge ihram, il passe un thob là-haut, il passe une chemise là-haut, il passe un t-shirt là-haut, puis il n'y a aucun problème. D'accord? Inch'Allah, je vous passe au Cheikh Zoubeid, il vous donne un conseil dans le programme.